Alors là, cette journée, on la termine magnifiquement bien. Il fait 420 grammes, sachant que j'ai fait un croc, donc il doit faire environ 430. Oh bah oui, il faut le fermer, Yolande. Bon, il n'y a pas assez de lait, donc non. Du coup, on va mettre avec un peu d'eau. Oh, là, on avance une aventure. Bonjour tout le monde, on espère que vous tapez la forme. Hier on est sorti, on est rentré tard et tout. Mais aujourd'hui c'est 24h cheat meal. Alors comment vous dire quoi ça plaît. On va manger des crêpes, on va manger des petits pains. On va se manger des burgers, des frites, des trucs dégoulinants qui seront incroyablement incroyables. Donc venez avec nous. Bon, je me suis préparée, enfin j'ai lavé mes cheveux, là ils sont encore mouillés. Je suis partie promener le chien, ça fait déjà 20 minutes que je suis dehors là. Il fait super beau, regardez-moi ça. Et on a toujours pas déjeuné, en plus j'ai faim. Ce matin je pense qu'on va se faire croissant et un petit pain au chocolat. Bref, je promène mon chien, Loana au sport et après on va chercher les croissants. Loana a cherché le petit déj. Alors les boulangeries étaient fermées, je suis choquée parce qu'en fait aujourd'hui ils font le pont. C'est ça que c'est fermé ici. Bon bah du coup voilà, nous avons beignet plus petit pain au chocolat, wow. Ce qui est bien calorique. Ouais. Heureusement j'ai fait du sport ce matin, c'est parti, on va manger parce que j'ai très très faim. Ça a l'air trop bon, j'ai mis un peu au micro-ondes parce que c'est toujours meilleur un peu fondu. On va se régaler ce matin. Bon bah c'est parti, on va déjeuner. Alors je suis trop contente, cheat meal à donf aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé comme 4. Il y a du coup des petits pains comme ça, bien chauffé au micro-ondes. Aussi un beignet framboise, c'est vraiment genre ma spécialité, j'adore les beignets. Des petits pains au chocolat, ma vie. Vous êtes team petit pain au chocolat ou croissant? Dites-moi ça en commentaire, moi team petit pain au chocolat. Moi croissant en fait, j'adore les croissants. Mais là il n'y en avait pas, là, on m'a dit. Incroyable, mais vrai, regardez-moi ça. Ça dégouline, c'est trop bon. Et même ça à base de compote de pommes, c'est incroyable. Même le chocolat noisette. Ouais, trop bon. Un peu Nutella comme ça. Et là je suis à mon beurre, j'adore filmer genre de vidéos. Les gars, du coup pour le matin c'est fini. Il reste deux petits pains, comme ça je pense que si j'ai faim encore à 11h ou quoi, je vais manger ça. C'était très très bon, là je pense qu'on va bosser, on va faire du montage et tout. Et on va se retrouver ce midi pour le repas du meilleur matin. Bon, maintenant qu'on a pris un bon petit déj ce matin, on a un peu travaillé sur notre PC pour des montages vidéo et tout. Moi je suis toujours pas maquillée, je vais maquiller je pense en fin de journée, parce qu'on va tourner des vidéos ASMR. Bref, là je vais chercher pour le repas du midi, parce que c'est cheat meal. Je sais pas vraiment ce que je vais prendre, je vais pas vous mentir, peut-être une pizza. Mais c'est bon, on va voir ça ensemble, let's go. Une pizza je pense. 4 fromages, j'aime trop celle-ci. Je vais prendre aussi du tiramisu parce que genre c'est trop la vie. On peut manger du Nutella, on va prendre du Nutella. On va prendre aussi des M&M's tiens pour Stap. J'ai pris pour ce midi en fait une pizza et un dessert tiramisu parce que qui dit cheat meal, on peut manger ce qu'on veut, j'avais envie sur une pizza. Et Stap, vous allez voir, ce sera la surprise mais j'ai pris à plein de bonnes choses. Bon, on va faire cuire cette délicieuse pizza au four pour ce midi. Oh là là, cheat meal, j'adore, on va se régaler. Et on a pris qu'une seule pizza pour deux, parce que bah, ce matin, comme vous avez pu remarquer, on a bien déjeuné. Et cheat meal, ça veut pas dire se goinfrer, se péter le bide, ça veut juste dire bien manger, se faire plaisir. Et voilà, donc tout ça, la petite pizza, j'attends qu'elle cuit. Et après, on va grailler. Je sais que c'est simple, mais franchement, cheat meal, on peut manger ce qu'on veut, même des trucs industriels et tout. Et en dessert, tiramisu, c'est mon dessert préféré. Et même en grande surface, comme ça, en industriel, j'adore. La pizza, elle est là. C'est incroyable la pizza. Mais elle va être incroyable. Bon, allez, on va couper ça, tu bois de l'eau, ça c'est bien. Cheat meal, après on peut boire ce qu'on veut, on peut boire du coca et tout, mais nous on n'est pas trop boisson. Non mais le problème c'est que tout ce qui est sucré et gras ça me donne très soif. Mais c'est vrai que nous on n'a pas tendance à boire autre chose que de l'eau en fait. Donc du coup ici les petites pizzas, on va manger ça, on va se régaler en fait. 4 fromages hein, que j'ai pris. Oh bah si tu vas kiffer maintenant 4 fromages. Non mais le fromage je suis pas vraiment fan. Moi c'est juste les olives que j'enlève. Mais en vrai c'est trop bon. C'est bon mais c'est fort. C'est fort fromager hein. En vrai de vrai je suis pas fan du fromage mais je dois l'avouer que... Allez ça va pour une industrie qui coûte pas cher. Wow. Alors ça vous voyez le bruit là parce que j'ai les vidéos ASMR. C'est impossible, on a pensé avec Loana qu'on va prendre un panneau route barrée ou sens interdit. On va le foutre au bout de la rue quand il y aura plus de voitures qui vont passer. Ouais. Si la police nous voit coucou. Non c'est pas là. Regarde ouais c'est là. Je n'en peux plus. Je pense que je vais me faire mon dernier croc. C'est parce que ce matin on a bien déjeuné aussi hein. Mais en tout cas c'est super bon franchement. Et aujourd'hui cheat meal moi j'adore parce qu'on mange tout ce qu'on a envie de manger. Là je pense que du coup on va vous laisser. On va se préparer. On vous emmène avec nous de toute façon. Pourquoi je vous dis ça? On vous emmène avec nous. Bon les gars du coup avec Lolo on s'est préparé. Là on va aller faire des courses avec Loana. Parce qu'on doit acheter des croquettes pour notre chat. Parce que là il n'y a plus de croquettes depuis un jour hein. C'est un petit problème quoi. Donc elle se nourrit de friandises.
ASMR. On a prévu de faire quoi d'autre, des vidéos ASMR, c'est tout. Oui, on va tourner plein de ASMR, j'ai trop hâte. Après, on va prendre le petit chien à nouveau et manger encore parce que j'ai un petit peu faim et on a le droit. Nous voilà dans la voiture avec une autre caméra. On va chercher du coup là. Non, j'ai dit la litière pour le chat. Maintenant, on va chercher des croquettes pour le chat. Du papier cul, parce qu'on en a plus. Et c'est tout, je crois. Oui, il me semble que c'est tout. C'est parti. T'as pas ouvert le moteur. C'est quand même plus pratique que ça. Y'a que nous pour faire ça. 12 seconds later. On est allé acheter les croquettes pour le chat. On a aussi acheté au passage de la nourriture parce qu'aujourd'hui on a le droit de grignoter plein de trucs. Donc on a pris des chips au chili qu'on a déjà ouvert et grignoté. Ouais. Des chips ici au poulet, un saucisson. Et on a trouvé les vidéos ASMR aussi. Ouais, c'est pour ça que là il y a la petite green light, etc. Maintenant nous sommes rentrés, place aux crêpes. Donc des bonnes petites crêpes maison, farine, sucre, etc. On a également acheté M&M's Nutella pour faire un super mélange. Est-ce que pour une fois il n'y aura pas de grumeaux dans notre pâte à crêpes? Et comment ça que tu m'as pas ta crêpe? Moi je sais bien faire les crêpes. Et s'il vous plaît, la fille elle fait des crêpes avec ça comme bouteille de lait. Est-ce qu'on en aura assez? Bon, on va voir en direct. T'appelles dans la pâte, c'est quoi? On met des concassements d'M&M's. Oh my gosh, on peut faire ça. Et des concassements aussi de chocolat noir. Oh, on va faire ça. Bon, il n'y a pas assez de lait, donc du coup on va mettre avec un peu d'eau. Du coup les gars, pour concasser les M&M's et le chocolat, on va le mettre, vous savez, sur un sort de papier transparent qu'on va fermer. Ensuite on va venir casser avec quelque chose de lourd, un marteau ou alors je sais pas. Bah oui, il faut le fermer, Yolande. Et tu vas casser ma table là. Bah je vais le faire par terre. Ah ouais, on va casser ma table. Waouh, ça marche trop bien. Et on met tout ça dans la pâte à crêpes. Oh, ce sera incroyable. Oh, là on avance une aventure. Parce qu'en fait quand ça va être sur la poêle, ça va fondre. Y en a assez? Oui, y en a largement assez. Et bah carré les gars, la pâte à crêpes elle est faite. Bon, c'est Lolo qui va faire cuire les crêpes dans une grande poêle comme ça. Ce sera bon, et après on a acheté du Nutella et tout. Ouais. Je la tourne, Lona, s'il te plaît. Elle est pas cuite, la Yolande. Tu veux qu'on tourne une crêpe pas cuite? Bah, elle est cuite, hein. Non, faut attendre qu'elle cuise encore plus. Elle est pas cuite, là, ta crêpe, elle est toute jaune et tu vas la prendre, elle va casser. On cuit tous les crêpes, là. Ouais. Nos crêpes, elles sont là, ça a l'air très bon. On va mettre du Nutella parce que moi, je suis team Nutella. C'est la base dans les crêpes, quand même. Totalement. Je comprends pas les gens qui aiment pas le Nutella dans les crêpes. Ah, donc. Et on va mettre 2-3 M&M's pour la gourmandise. Et on replie. Et voilà. Je suis dégoûtée, on pense avoir filmé l'extrême, on l'a pas filmé, je suis trop deg, donc on passe directement au soir. Les gars, là c'est parti, je vais chez Cheese Pasta dans le Dunkerquois où ils vendent des gros burgers, des frites avec sauce cheddar fait maison, des pâtes et plein d'autres choses. Je mets son snap si vous voulez, ici il est ultra actif. Lola elle va rester à l'appart, elle va faire son montage de sa vidéo ASMR. J'ai 10 minutes de route, c'est merci, let's go à tout. Là je vais rejoindre Lolo, j'ai été chez Cheese Pasta. J'ai trop hâte parce que ces burgers, franchement, genre c'est des burgers XXL. Les frites pareil, c'est sauce cheddar fait maison et tout. Pour la journée de cheat meal, il n'y a rien de mieux qu'un bon burger et des frites. Donc on rentre, on va montrer ça à Lola. Lola, je suis rentrée. Oh, pasta, la vie. Bon allez, on va faire nos petites stories et tout pour créer du contenu et après on va manger. D'ailleurs les amis, là avec Yolande, en fait on est en train de tourner le réel Instagram. C'est incroyable. Sur la dégustation des burgers. Dans le Dunkerquois c'est les meilleurs clairement. Tout est fait maison, le pain, la sauce, tout est fait maison, c'est super bon. Du coup là on continue à tourner, vous allez voir un peu nos tournages. Et voilà quoi. Incroyable les gars, à la vôtre. Alors là cette journée on la termine magnifiquement bien. On va se péter le bide, on va se régaler. Regardez quand même la taille. On est sur un niveau débutant. Viens, on le pèse. Il fait 420 grammes, sachant que j'ai fait un croc, donc il doit faire environ 430. C'est énorme, 430 grammes. Incroyable, les frites pareil, elles sont trop bonnes. Donc du coup on va manger ça. N'hésitez pas à venir sur Instagram aussi parce qu'on vous a posté un réel sur Cheese Pasta. Et n'oubliez pas d'aller suivre Cheese Pasta sur Snap, il est grave actif et tout. Donc je mets son Snap juste ici. Et voilà, nous on va terminer de manger ça, on va terminer du coup cette journée comme ça. Et ouais les gars, c'était trop bien, on a fait que manger du matin jusqu'au soir. Et là c'est pas fini, on va continuer. La meilleure nourriture de la journée clairement. Exactement. On espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like. Et nous on fait plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.